On a 5 personnages principaux, mais le 6e, c'est le vestiaire, quoi. Deuxième. Et action. Vous êtes dans l'unique mais incroyable décor de vestiaire. C'est la copie conforme des vestiaires de la piscine d'Aubagne. Et on est content parce qu'on a accueilli des gens nouveaux. Jean-Philippe qui faisait le bleu, qui ne connaît pas les codes de la piscine. Aude qui fait la coach, donc une coach un peu revêche. Qui a décidé de remettre tout le monde à sa place, elle ne le voit qu'une tête. Hein. Andy, pas Andy, elle s'en fout. Tout ce qu'il faut, c'est que ça ramène des médailles en championnat de France. La référence, c'est Clint Eastwood dans Le Maître de Guerre. Et donc, du coup, toute cette petite équipe a donné tout ce qu'il fallait pour avoir nos 4 épisodes en fin de journée. Ça sert à rien de nager comme un poisson si c'est pour me faire une arrivée de paraplégique. Non mais il est paraplégique. Tu chipotes, là, Romy. Mon problème, c'est que ça se voit qu'il est paraplégique. Alors quand Roland se casse le cul sur 50... Oh putain, 50 mètres. Pardon. Claire, tu noteras que c'est la faute d'Ada si on a foiré la prise. C'est écrit et surligné même. Moi je vais quand même me changer. Entre nous c'est devenu beaucoup plus. C'est encore plus fluide qu'avant quoi. On se connaît, on arrive à jouer, on a beaucoup plus de fou rire mais un peu plus contrôlé j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'on part pas en vrille quoi. Après une journée qui était plutôt simple et pas très compliquée et pas très fatigante. Nous allons préparer les textes de demain et du surlendemain. Bonjour tout le monde, alors ça boum ? L'idée c'est de les lire ensemble, d'essayer de les avoir un peu pour pas galérer pendant le tournage. Bon alors coach, vous êtes concentré là parce que je vous sens pas du tout concentré moi. Il faut que vous nagiez comme nous, enfin comme moi. La semaine dernière on a eu un réalisateur par jour. C'est un bel exercice, ouais. Je te jure, c'est vraiment... De la pression qui monte, quoi. Ouais, exactement, la pression qui monte. 3 réalisateurs viennent d'intégrer l'équipe, nous ont fait l'honneur de nous retrouver. Donc c'est Nils Tavernier, Patrick Braudet et Patrice Lecomte. Pour plein d'histoires, et de Ada et de moi, c'est des gens qui ont à un moment marqué notre culture cinématographique. Quoi. C'est juste 3 de mes plus grands réals, donc je suis... Voilà. C'est juste, voilà, je suis même timide, j'ai les poils qui poussent. Alors les gars, ça boum ! Vous allez prendre des attitudes un peu faux-cul, mielleuse. Bonjour, Cole. Ouais, ça va bien. Je vais préparer un truc dégueulasse. Puis il dirige pas pareil, donc c'est bien, c'est intéressant parce qu'il nous amène tous sur des trucs différents et c'est très très riche. Tout d'un coup, là, on est obligé de faire un petit décrassage de jeu. Chaque réalisateur a sa sensibilité. Et du coup, ça nous a un petit peu emmené sur des terrains de jeu, des fois un petit peu plus dangereux. C'est ces moments-là qui sont intéressants au niveau émotionnel, c'est quand on est dans des choses sensibles, quoi. Non, parce que là, je vous sens pas du tout concentré. Hein. Qu'est-ce que vous faites ? Bah, faut que vous nagiez comme nous. Enfin, comme moi. Quoi, sur les pieds ? Ils ont tous un ressenti par rapport à qu'est-ce que c'est que le handicap ou la différence ou la vision décalée du monde, en quoi c'est important de rester éveillé sur ce qui nous entoure. Et c'est en ce sens-là que je pense que la série les a accrochés. Quoi. Allez, on y va. Moteurs. On va faire à partir du body fetish. 9 sur 1, 6ème pick-up. Oh la main, tu sais pas ce que c'est toi, hein? Oh bordel. Putain, mon bonnet fétiche! Moi j'ai remarqué un truc là au fur et à mesure où on avance dans le travail, c'est que le personnage d'Orson, il est assez dark cette saison. Ça m'amène un peu sur des terrains un peu noirs comme ça, mais c'est pas inintéressant. Action! Et la nouvelle aussi, c'est des guests qui reviennent, donc Pascal Etimus, Clémentine Sellarié, et on a Bruno Salomon. Et quand même, quoi, on a eu du beau monde cette saison aussi. Hein.